Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous passez un bon dimanche aujourd'hui malgré un temps dégueulasse. Je vous montrerai dehors après, il pleut, il y a du vent, c'est horrible, donc impossible d'aller tourner aujourd'hui quelque chose, je voulais aller partir explorer une grotte, voir si c'était possible de faire une vidéo dans une grotte, parce que j'adore ça aussi. Donc pas de vidéo exploration souken, mais un petit vlog, parce que j'ai essayé de tourner hier jusqu'à tard dans la nuit. Impossible de trouver un spot facile d'accès, voilà, il y avait, ils étaient fermés, bien abandonnés, mais fermés. J'étais déçu, j'ai trouvé une villa immense, il y avait tout à l'intérieur, mais bien fermé. Le volet, j'ai ouvert un volet, mais fenêtre fermée, donc du coup, la loi, c'est fermé, on ne touche pas, on s'en va, et c'est tout. Donc voilà pour ça. Et sinon, comme vous le savez, depuis un petit moment maintenant, je fais exclusivement mes explorations mélangées avec du paranormal, pour remettre les petites touches de para. Car je trouve que ces derniers temps, il y a beaucoup d'explorateurs. En fait, c'est redondant. J'ai l'impression qu'on fait tous la même chose. Et moi qui viens à la base plus du paranormal, j'ai décidé depuis un certain temps, vous le savez d'ailleurs, vous le voyez dans mes vidéos, que je mélange toujours une petite touche de paranormal dans mes explorations. Alors peut-être que je vais l'accentuer un peu plus, je vais voir. Mais j'aime vraiment apporter cette petite touche para dans mes explos, c'est vraiment cool. Et je vais essayer essentiellement de les tourner de nuit, ce qui est beaucoup plus attrayant. Et l'ambiance est différente de nuit. C'est vrai que l'ambiance de jour et de nuit, c'est totalement différent. Comme une forêt de jour et de nuit, c'est le jour et la nuit. Donc là, on se trouve dans mon espace de travail, au chaud, parce que dehors, regardez le temps qu'il fait. Je vais vous montrer, il y a du vent. Du vent, il pleut. C'est horrible. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, petit vlog, parce que j'ai pas pu tourner de vidéo comme il faut. Je veux pas vous sortir une vidéo pour sortir une vidéo dégueulasse. C'est strictement inutile et j'aime pas du tout faire ça. Du coup, petit vlog, je vais relancer les Strange. Il faut que je fasse un nouvel épisode de Strange. J'ai trouvé un sujet, intéressant. Continuer peut-être dans la lignée des sanatomes que j'ai fait. Et après, je changerai de sujet. Une enquête paranormale, je suis en train d'en préparer une très intéressante où après, on va passer un certain temps à l'intérieur avec plusieurs caméras fixes. J'ai fait plan drone, je vais faire la visite de jour et après, on fera l'enquête de nuit. Ça doit vraiment être pas mal. Faire comme je faisais à l'époque, on va en plus accentuer l'aspect enquête bien posé avec plusieurs caméras, des fixes, le pod, le K2, la spirit box. Donc voilà, on va essayer de faire des trucs assez cool. Pour les prochaines enquêtes, j'ai essayé de toutes les faire vraiment bien plus poussées que j'ai décidé ces derniers temps. J'ai bien plus le temps de me poser comme il faut maintenant, donc ça va être cool. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux, même si ça monte doucement, c'est pas grave. Vous êtes bienvenus tous dans les commentaires et je vous remercie pour ça également, de votre bienveillance dans les commentaires et vous me motivez à chaque nouveau commentaire. Mais je compte sur vous, d'ailleurs, dans cette barre de commentaires pour mettre un maximum de commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des idées de vidéos ou d'exploration, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Mettez un gros pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram où je poste pas mal de photos. Là, j'en ai fait quelques-unes, il faut que j'en poste. Enfin, sur ce, voilà, je vais vous laisser passer un bon dimanche. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou si vous avez des idées vraiment qui pourraient être pertinentes, n'hésitez pas, la barre de commentaires est faite pour ça. Lâchez-vous. Idées d'exploration, d'enquête, de lieux, si vous avez des lieux, que tiens, toi, tu pourrais faire ça. Lieux avec autorisation, j'aimerais beaucoup faire des châteaux avec autorisation. Ça pourrait vraiment être cool d'aller tourner des enquêtes là-bas. Vous pourrez vraiment se régaler, je pense. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.